Bienvenue sur la page Facebook de Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Vous trouverez sur la page YouTube toutes les entrevues. Mais en voici une autre pour vous, pour nous aider à communiquer plus et à communiquer mieux. Bonjour, bien le bonjour tout le monde, ici Luc Archambault de Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, j'ai une belle rencontre dans le domaine de la culture, du spectacle, comment je pourrais dire, du divertissement. En fait, un gars bien le fun. Je vous présente M. Guy Boulanger de la SPEC. Bonjour, bonjour Guy. Bonjour. Écoute. Bienvenue. Ah ben oui, écoute, c'est le fun d'être ici tout le temps. J'ai reçu par la poste cette publication-là que vous avez commis il n'y a pas si longtemps, Reprendre sens. Reprendre sens, le titre est pas mal évocateur parce que on est en période, évidemment, encore de pandémie, fin de pandémie, de contrôle des assistances, bon, un paquet de calculs et de recalculs à faire toujours. Et je trouvais le message d'abord encourageant, inspirant, et surtout le contenu de tous les spectacles de l'année, en fait. Tout planifier ça dans un mode d'épidémie où la quantité de billets à vendre probablement moindre, que la capacité à les vendre est moindre. On a appris récemment qu'on pouvait revenir à des salles pleines. Merveilleux, justement. On a appris ça, je pensais, hier soir, là, parce qu'on est le 1er octobre aujourd'hui. Donc, effectivement, c'est une belle nouvelle, je pense, pour le monde du spectacle, qu'on puisse remplir les salles. Oui, absolument. C'est fait pour ça. Un spectacle, c'est de vivre de façon collective un événement. Oui. Et il y a un échange entre les gens sur la scène et les gens dans la salle. Et quand on fait des salles à 50 personnes dans une salle de 856 places, c'est on pédale. Oui, c'est triste. Triste, hein? Ça n'a pas de bon sens. Non, on est très heureux de revoir notre public en grand nombre. Ah, puis on est bien content de revenir aussi. Reprendre sens. Vous êtes plusieurs qui travaillent sur ces choses-là. Il y a sûrement un comité ou une équipe là, qui travaille sur ce document-là, à le préparer puis pour nous le montrer. Mais reprendre sens, ça fait partie d'une réflexion, j'imagine. C'est comme reprendre connaissance, revenir à la vie, Honnêtement, ça n'a pas été très dur de trouver le thème. Okay. Parce que c'était sans plein ce qu'on vivait. C'est-à-dire qu'on a comme arrêté pendant un certain temps de faire des choses qu'on avait l'habitude de faire. Et puis là, on va reprendre ces bonnes choses-là. Et on va les reprendre de façon, je dirais, améliorée, parce qu'on a quand même appris durant la dernière année et demie des choses, puis qu'on repense à comment donner sens à ce qu'on fait. Ah, OK. Ouais, OK. Qu'est-ce que vous avez appris dans cette année-là? Bien, juste le fait de bon, l'aspect numérique. On a fait beaucoup de spectacles en numérique. Oui. Et c'est quelque chose qu'on souhaite poursuivre en mode hybride, c'est-à-dire permettre aux gens de pouvoir assister à des spectacles de façon à la maison ou sur place. Parce qu'on voit ça comme une façon de démocratiser l'accessibilité à l'art. Okay. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne connaît pas un artiste, disons, mais que s'il se rend chez lui, il y a des chances qu'il tombe dessus et que ça développe son intérêt et tout ça. Puis ça, c'est découvrir dans le confort de son foyer. Je vois ça comme une valeur ajoutée à ce que l'on fait. Puis je souhaite développer ça. Il y a des enjeux, les obstacles quand même, c'est pas tout le monde qui veut se prêter à ce jeu-là, mais c'est une des choses que l'on a apprises durant la dernière année. Ouais. Ah, OK. C'est bon, ça. C'est bon. ça permet de faire connaître des nouveaux visages, des nouveaux talents. Même si je ne le connais pas, si je peux le voir, au moins, il y a comme un lien. Il me permet de m'éduquer sur ce nouvel artiste-là. Ouais. Puis... C'est toujours une question d'accessibilité. Ouais. Plus les choses sont accessibles parce que les spectacles viennent à Saint-Jean, c'est une accessibilité. Parce qu'il y a une tarification qui peut être avantageuse, c'est une accessibilité. Ouais. Et le fait de pouvoir rentrer chez les gens, c'est un autre type d'accessibilité. C'est une autre façon de... C'est bon, ça. C'est excellent. Ça. Le numérique, finalement, ça nous fait découvrir beaucoup de choses. Je pense que oui. C'est ça. Puis, si on pense...
Moi, je vois beaucoup les centres pour personnes âgées oui. Qui n'ont pas le goût de ou pas capable de sortir un samedi soir ou un jeudi soir de février, d'hiver et tout ça. Ouais. Que malgré ça, ils peuvent avoir accès à une production culturelle intéressante. Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas pensé, mais l'idée est excellente parce qu'ils peuvent se réunir dans une salle. Quelques personnes, puis écouter un spectacle. Recréer l'ambiance. Recréer une salle, une ambiance de spectacle entre eux autres, à travers le lien numérique vers l'aspect. C'est bon, ça aussi. On l'a beaucoup développé l'an passé, c'est, je dirais, plus facile parce que les artistes se prêtaient plus à ce jeu-là. Ouais. Mais là, on va développer ça. On souhaite rendre ça de façon... Une nouvelle offre. Une nouvelle chose à voir. Ça fait longtemps, ça fait plusieurs années que le cabaret Jazz Band, c'est une série de spectacles de jazz que l'on fait les vendredis soirs. Ouais. Ça fait 6-7 ans qu'on diffuse en direct ces spectacles-là. Et on s'est rendu compte que loin de nuire à la fréquentation en salle, c'est un merveilleux outil de promotion, de communication parce que les gens qui ont accès à ça, se disent « Ah, c'est le fun, il y a une belle ambiance, tout ça. Moi, le mois prochain, je vais être présent. » C'est en plein ça. C'est de même. Moi, j'ai découvert les artistes par ces spectacles-là. À la maison, je tombe là-dessus. C'est une diffusion sur Facebook, je pense, que j'ai regardé. Ouais. Je dis, hop, hein, P.A., bon, j'écoute, je connais P.A. à cause de Arto, je connais, bon, il est bien présent chez nous, là, dans la place. Ouais. Puis là, il y a une nouvelle chanteuse, un nouveau chanteur, puis du monde que tu connais pas, mais, hey, écoute, du talent qu'il y en a comme ça, tu sais. Absolument. C'est intéressant. C'est bien intéressant. Puis même, je pense qu'à soir, il y a quelque chose. Oui. C'est pas Thomas Hudson, ce soir. Thomas Hudson, un hommage à Brel. Non, c'est... À Brassens. Brassens, Georges Brassens, oui. Mais c'est pas loin. Ça devait être proche l'un de l'autre. Dans le même pays. On va lui souhaiter bonne chance, d'ailleurs, à Thomas. Bonne soirée. pour revenir là-dessus, finalement, la programmation... comment, dans un contexte comme qu'on est depuis 2 ans pratiquement, comment qu'on fait pour booker, on va utiliser le terme booker, ou réserver des artistes ou des spectacles d'avance pour pouvoir le placer en quelque part dans l'agenda? Bien, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut se dire qu'il faut avoir de la prévisibilité. Il faut essayer d'imaginer que ça va passer, cette pandémie-là. Donc, plusieurs personnes travaillent dans ce sens-là, puis c'est comme ça que c'est possible. Il y a eu des défis parce qu'il y a eu plusieurs productions qui ont dû être annulées parce qu'ils ne pouvaient pas répéter ou les artistes étaient pris pour d'autres engagements sur les années à venir. Je prends un exemple qui est arrivé tout récemment, les Morissette qui reportent leur spectacle depuis 2 ans. Et puis là, pour 2023, il y avait déjà des engagements. C'était pas possible de faire une tournée, donc ils ont annulé complètement la tournée. Ils ont annulé celle-là pour... C'est ça. Mais puis je vous dis, dans cette brochure-là, effectivement, il y a 5 séries de spectacles. C'est pas toute la programmation que l'on fait, c'est seulement que 5 séries. C'est seulement 5 séries, ok. C'est pas toute la spectacle. Non, il y a peut-être c'est les spectacles des soirées théâtrales, les spectacles de théâtre. Il y a les spectacles de Maestria Musique, qui sont principalement les concerts de musique. Il y a Maestria Danse. Et il y a la série Légendaire Immortelle, qui est avec aussi un Joannet, Alexandre Béliard, qui nous raconte les personnages marquants de la francophonie. Ah oui! C'est une super belle série. On a fait 6 spectacles depuis... Ça va être la troisième année que l'on... Troisième année que l'on fait des spectacles avec lui. Et... deuxième. Pas la notion du temps. Donc, c'est ça, Légendaire Immortel. Puis, il m'en manque une. L'Art de la parole. Ça, c'est une nouvelle série que l'on a mis en branle. Oui. Qui est davantage axée sur, je dirais, le conte, on peut dire. Le conte, oui. Ou encore sur des spectacles de théâtre, mais de moins à un personnage ou à deux personnages. Ça peut être des trucs dans ce genre-là. Oui, Cette série-là, on essaie de... là, on a 3 salles. On travaille avec 3 salles. Oui. Le Théâtre des Deux-Rives, le Cabaret Théâtre et le Pôle culturel à Chambly. Oui. Et à Chambly, on développe le volet Art de la parole, spécifiquement. Et on a aussi une nouvelle série qui n'est pas dans cette brochure-là, mais qui est de cirque. On va faire 5 spectacles de cirque au cours de la prochaine année, principalement à Chambly. Tout à fait. Le cirque, c'est bien. Il y a tellement des belles propositions en cirque. C'est magnifique. Vrai, hein, ça s'adresse à tout public. Là. C'est des spectacles
de tout âge, les enfants. On fait des spectacles de matinée scolaire, puis on les reprend pour le grand public aussi. Le grand public aussi, oui, parce que, écoute, l'art du cirque, c'est tout le temps fascinant, c'est tout le temps émerveillant de regarder les acrobates. Puis, bon, la poésie aussi, beaucoup. Puis, oui. C'est super, super. C'est vrai que ouais, je suis d'accord avec vous qu'on ne peut pas tout mettre vos spectacles là-dedans. Il faut aller sur le site web aussi de la SPEC. On a aussi la revue L'Entracte. Oui, je l'ai pas su encore, celle-là. Mais, La prochaine édition sort à la mi-octobre. Mi-octobre, c'est ça. Là-dessus, il y a plus de... Là, on en retrouve les autres séries en chansons, en humour... théâtre et tout. Là, film, cinéma. Ouais, le ciné-club. Moi, j'aime bien le ciné-club, comme je vous disais tantôt. D'ailleurs, c'est lundi, il y a la déesse des mouches à feu. Manquez pas ça. Venez voir ça, c'est Jeff. C'est un nouveau film d'Anaïs Barbeau-Lavalette. Ouais. Qui a été bien reconnu, bien accueilli, si on veut. Belle proposition, oui. Oui. Hey, là, qu'est-ce qu'on peut parler d'autre de la SPEC? Parce que c'est de la SPEC ou du théâtre ou du spectacle, finalement. Ce qu'on peut parler d'autre aussi, c'est les grands rendez-vous artistiques que l'on a. Okay. Ces grands rendez-vous-là, c'est des conférences spectacles où on aborde différents thèmes. On fait un grand rendez-vous en théâtre, un grand rendez-vous en danse, un grand rendez-vous en musique et tout ça. En fait, c'est des moyens de démystifier l'art. Il y a un conférencier qui vient parler et ça peut être sur celui en théâtre, il va parler de la dramaturgie québécoise. Oui. Et il y a des comédiens sur scène qui vont lire des extraits de ce spectacle-là. Okay. On travaille aussi cette année, on développe aussi en termes de diversité. On essaie d'intégrer cette année, on intègre cette année des spectacles de communautés autochtones dans chacune de nos séries. Okay. Donc, dans les jeux de show, dans les soirées maestrie à danse, maestrie à musique, il va y avoir au moins une proposition artistique faite par des communautés autochtones. Parce qu'on doit s'intéresser à cette culture-là, parce qu'on a un petit peu de ce culture-là en nous, sans le savoir. Oui, tout à fait. On a hérité tout bien. Puis ils ont beaucoup à nous apprendre aussi, puis à nous faire découvrir. Puis il s'est développé au cours des dernières années des propositions artistiques des plus intéressantes les unes des autres. C'est vrai, hein? on entend parler beaucoup de... C'est eux autres, en fait, qui font... comment je pourrais dire? Qui sont un peu le porte-voix, si on veut, de leur nation. Mais d'une façon plus pour qu'on connaisse la culture. Moi, j'avais assisté à une conférence de Mme Bacon. Oui. Puis c'était comme une révélation, là, finalement, là, parce qu'on n'est pas au courant vraiment de cette culture-là. Il nous en manque des grands bouts. Mm. Et c'est bon qu'ils nous viennent nous la présenter. C'est des bonnes idées. Puis ce que les gens ne connaissent pas beaucoup de l'aspect, c'est aussi le volet tout ce qu'on fait pour le jeune public. Cette année, dernière année qu'on a fait des spectacles, c'était une centaine de représentations dans le cadre de matinée scolaire. Okay. On a accueilli environ 40 000 jeunes pour venir voir des spectacles ici. Oh. Et on a surtout le souci de faire... Notre but, c'est pas d'asseoir un jeune dans une salle de spectacle, mais c'est de l'outiller pour apprécier le spectacle. Oui. On a donné 850 ateliers en classe, en relation avec les spectacles, pour que les jeunes puissent bien apprécier les spectacles. Pour chacun aussi des spectacles, on fait un carnet qu'on appelle l'art du mot juste. C'est un carnet qui parle des thèmes du spectacle et qui intègre, qui vise à enrichir le vocabulaire des jeunes par rapport aux spectacles qui sont au niveau des arts de la scène. C'est ça, Il y a un petit volet éducatif à ça en même temps. Un petit volet, qui prend beaucoup de place maintenant. Ouais. Ah ouais, ça... je dis toujours que le volet diffusion de spectacle, c'est comme la pointe de l'iceberg. Ouais. Et on fait un grand travail de médiation artistique en dessous, là, pour que les gens... On fait des médiations pour le grand public aussi dans le cadre avant les spectacles de musique ou de danse, on fait des conférences avant spectacle pour permettre aux gens de pouvoir mieux apprécier les spectacles qui leur sont proposés. On explique la démarche artistique, où l'œuvre artistique se situe dans la carrière de l'artiste et tout ça. Un peu comme on fait aussi également au ciné-club où on essaie d'inviter des intervenants
du milieu cinématographique pour venir parler de différents volets des, oui. d'un film. Ça peut être la musique, les décors, les costumes et tout ça. Oui, pour, c'est vrai, c'est intéressant. C'est bien intéressant. Ça. Au Ciné-Club, après la projection, il y a tout le temps un genre, un petit bout de présentation. Réalisateur, metteur en scène, décor, comme vous dites. Mm-hmm. C'est tout le temps bien. Ça complète. Ça complète l'expérience, on va dire expérience, en tout cas. Oui, c'est ça. C'est une expérience. C'est ce qu'on souhaite, faire vivre des expériences aux gens, puis les rendre le plus complètes possible aussi. C'est pas juste de venir consommer un événement, c'est de venir vraiment s'enrichir là, de façon d'être stimulé intellectuellement. Se sortir d'ici peut être content d'avoir vu un spectacle, de l'avoir vécu. Et avec d'autres personnes autour de soi. Oui, mais tu viens jamais seul au spectacle, au moins deux, minimum. Là, donc ça, c'est comme une suggestion de reprendre sens, c'est tout simplement comme un aperçu. Un aperçu de ce que l'on fait. Un aperçu de la programmation, de l'aspect ici. La particularité de ces séries-là, c'est qu'elles ont tous un volet abonnement. Oui. Il est possible de s'abonner au théâtre, il est possible de s'abonner à la musique, possible de s'abonner au à Légendaire Immortel et tout ça. C'est nos différentes propositions d'abonnement. Justement, en parlant d'abonnement, pour assister à un spectacle, c'est rendu de plus en plus facile. On s'assoit avec notre tablette, puis on accède à votre billetterie, ou on regarde le site web, par exemple, de l'aspect, on choisit un spectacle. On va sur la billetterie, on choisit notre siège, tout se fait en ligne, le billet nous arrive par la poste ou on vient le chercher ici. Ou électroniquement. C'est de plus en plus facile, de plus en plus simple. En tout cas, on n'a pas besoin de se déplacer pour venir acheter un billet. C'est plus l'a à la maison. Exact. Puis en plus, on se fait expliquer aussi c'est quoi la teneur du spectacle, les dates, les heures, etc., etc. Toute l'information qu'on a besoin de savoir. C'est moins stressant venir à un spectacle quand tu sais un peu à quoi... c'est quoi l'environnement, à quelle place je vais me stationner. Tu sais, c'est plate, là, mais quand je suis allé à la place des Arts la première fois, mais là, j'étais stressé parce que... Hey, la place des Arts, il n'y a pas de stationnement autour de ça. On va être 5 000 dans la salle, dans le genre... Pouf, ils vont tous se mettre, ce monde-là. Bon, c'était stressant. Je me suis stressé pour rien, sauf que c'était stressant pareil. Mais j'aurais aimé avoir l'information directe quand j'ai acheté mon billet, mais je ne l'ai pas eu. Mais c'est le fun avec l'aspect, on a ce genre d'informations-là. Oui, parce qu'on envoie on envoie toujours des rappels avant les spectacles aussi. Oui. Pour dire aux gens, n'oubliez pas, vous avez un spectacle qui s'en vient dans quelques jours. Et dans ce courriel-là, effectivement, on donne quelques informations-là. C'est beaucoup des consignes sanitaires de ce temps-ci que l'on donne. Stationnement, puis les possibilités de restaurant. C'est ça. Comment, là, on est en pandémie encore. Ça prend un masque. Il ne faut pas oublier notre masque. Les mains, s'essuyer les mains. C'est intégré, mais il faut quand même se le rappeler. Faut le rappeler, oui. Faut se le rappeler. Hey, monsieur Guy, hey, ça va être une belle saison, je pense, hein, reprendre sens. On est assez fiers, oui. Oui, je pense que oui, vous avez de quoi être fiers, puis on a de quoi être fiers aussi d'avoir cette qualité de spectacle-là ici à Saint-Jean. Merci. Donc, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour l'année qui... les allègements qui viennent de se présenter à nous là, pour remplir les salles le plus possible. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter que ça... qu'on arrête de changer les choses. qu'on laisse aller les choses pour un petit bout, là, qu'on n'ait pas à faire et défaire. Là, ça serait... Ouais, c'est ça. On a besoin de faire les spectacles, présenter les spectacles, ça rend le monde plus vivant, on dirait. Ça nous rend plus vivants. Ça fait manger bien du monde aussi, parce que à la maison, sans travail, c'est pas bien le fun, non? Non, c'est ça. Pour les artistes, en tout cas. Pour les artistes, pour les techniciens, pour tout le monde. Tout le monde sont impliqués dans le domaine de la culture. Il y a un volet économique qui est très, très important, je pense. Il est très important, effectivement. Parce que l'aspect, c'est... nous autres, en saison, on émet entre 50 et 55 chèques. Par deux semaines, là, des payes à part les artistes et tout ça. C'est ça, c'est important. C'est une contribution importante. Oui, effectivement. J'avais pensé, justement, je voulais justement, félicitations
pour votre reconnaissance au gala de la, la, la Chambre de commerce. Merci. Vous avez eu l'air un peu surpris, même. Oui, on s'y attend pas. C'est pas quelque chose qui c'est pas quelque chose que tu cours la paix, de toute façon, mais ça fait mais rien. Non, mais que je savais non plus. Là, c'est pas. C'est toujours une surprise. Mais c'est le fun, c'est à mériter quand même. C'est le fun d'avoir une reconnaissance de ce genre-là parce que vous contribuez d'une de belle façon à la culture de la ben, place. J'ai toujours considéré que j'étais privilégié de pouvoir évoluer dans un milieu aussi stimulant. C'est vrai. Ce n'est que du bonheur. Je rencontre toujours des gens heureux. Les gens sont heureux de venir nous voir. Notre travail, c'est de s'assurer que quand ils sortent de la salle, qu'ils soient aussi heureux quand ils sont arrivés. Quand ils sont arrivés. Au moins. je pense souvent aux gens qui travaillent dans d'autres contextes, justement les médecins, les infirmières qui, eux, sont confrontés à beaucoup de misère. Ouais. Ça doit être dur. C'est plus difficile de retourner à la maison des fois. C'est ça. Que moi, je suis à ce moment-là, il faut les inviter en spectacle. C'est ce qu'on essaie de faire des fois. Ouais. Monsieur Guy, merci beaucoup. C'est un merci plaisir. Beaucoup de la rencontre. Merci beaucoup de nous suivre à Studio Saint-Jean. Si vous avez aimé l'entrevue, ben faites des petits pouces comme ça, un petit like comme ça, on aime bien ça. Puis si vous avez des sujets pour lesquels vous voulez aborder, vous voulez nous présenter, ben gênez-vous pas, vous nous contactez avec l'adresse courriel en bas de la page. Et puis, ben c'est ça, d'ici là, ben portez-vous bien, puis on se revoit. À bientôt.